Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, frères et sœurs, vous tous qui êtes venus ici dans cette primatiale Saint-Jean-Baptiste à l'occasion de l'ordination épiscopale du Père Loïc Lagadec qui nous arrive de Grenoble. Bienvenue à vous tous, membres du peuple de Dieu, de différents états de vie. Je voudrais saluer particulièrement la maman du Père Loïc Lagadec. Nous sommes en communion de prière avec son papa qui nous a quittés. Bienvenue à sa famille, ses amis, les fidèles du diocèse de Grenoble. J'ai cru comprendre qu'ils étaient très nombreux parmi nous. Soyez les bienvenus. Bienvenue à tous les fidèles de Lyon, de tous les autres diocèses. Je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent par la radio RCF, la chaîne de télévision KTO ou sur notre chaîne YouTube du diocèse. Je salue aussi tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la primatiale. Alors il y en a certains qui sont au fond, mais vous savez qu'il y a aussi un écran qui est installé derrière vous chez les lazaristes. Vous pouvez suivre cette célébration. Donc je salue aussi tous ceux qui sont là-bas. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui vont nous suivre grâce au langage des signes, les personnes malentendantes qui sont là, toutes les personnes en situation de fragilité. Merci d'être là. Je salue Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur Celestino Migliore, qui est le nonce apostolique donc en France, qui représente le pape François. Il y a quelques mois, je vous avais demandé un évêque auxiliaire pour me soutenir dans ma charge épiscopale. Merci beaucoup, Père, d'avoir répondu à cette demande. Je salue aussi tous nos frères et sœurs de différentes communautés religieuses. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de voiles de religieuses dans cette assemblée, et en particulier aussi les responsables de communautés religieuses. Je salue aussi mes frères et sœurs responsables d'autres églises chrétiennes, les responsables d'autres religions qui sont parmi nous. Je salue, mesdames et messieurs, les responsables politiques, militaires, associatifs. Merci de votre présence qui nous rappelle ce lien étroit qui existe entre la société lyonnaise et la communauté catholique de Lyon, plus largement de tout le diocèse de Lyon. Je n'oublie pas, bien sûr, mes frères évêques. D'abord, Monseigneur Patrick Le Gall, évêque auxiliaire de Lyon, Monseigneur Cartategui qui est aussi à Lyon, et puis tous les autres, Monseigneur Planet aussi qui est maintenant évêque émérite à Lyon, et tous mes frères évêques qui viennent de différents diocèses, de Grenoble, bien sûr, de Viviers, Beléars, Annecy, Digne, vous l'avez reconnu, c'est Monseigneur Gobillard, bien sûr, Langres, Avignon, Amiens, Meaux, Mende, Sens-Auxerre, Saint-Claude, Le Puy-en-Velay, Toulouse, Paris, Brazzaville et Nouméa. Et puis, je salue aussi Monseigneur l'administrateur ukrainien qui est parmi nous, ainsi que l'administrateur de Chambéry, les autres évêques émérites et les secrétaires de la conférence épiscopale des évêques de France. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui donne à son Église un nouveau pasteur, successeur des apôtres. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour toutes les vocations qu'il donne dans son Église. Et vous savez que c'est aujourd'hui le dimanche de prière pour les vocations. Et donc, nous aurons l'occasion, à la fin de cette célébration, de prier tous ensemble, de demander au Seigneur qu'il donne à son Église les vocations dont elle a besoin. Nous prions aussi pour tous les jeunes qui vont partir au JMJ. Pour notre diocèse, ils sont déjà presque 1500 inscrits. Donc, dépêchez-vous, il reste encore quelques places. Nous prions pour que vraiment que cette expérience des JMJ soit pour eux un véritable renouvellement dans leur foi. Nous écoutons maintenant la présentation du Père Loïc Lagadec.
Monseigneur, frères et sœurs du diocèse de Lyon, pour vous présenter notre frère Loïc, permettez-nous d'utiliser une image chère aux Dauphinois. De ce miroir, nous sommes certes peu associés à l'élaboration, nous nous concentrons davantage sur sa diffusion. Loïc, vous le découvrirez, a quelque chose de la chartreuse. Comme cet élixir aux origines végétales multiples, notre frère Loïc a puisé sa sève en plusieurs terres. Il est né en Ardèche le 12 août 74. Il reçoit le baptême ici même à Lyon, vit en Saône-et-Loire et plus longuement ensuite à Vienne. La Saône et le Rhône, vous le percevez, ont donc irrigué son histoire. C'est encore ici, à Lyon, du reste, au Chartreux, qu'il fera sa prépa avant de partir quelques années en école de commerce à Montpellier. Montpellier, d'où il partira pour un séjour très apprécié en Allemagne. À la suite de cela, Loïc entre au séminaire Saint-Irénée, puis séminaire universitaire à Lyon, pour son parcours sacerdotal. Il est ordonné diacre dans la paroisse de Villefontaine, pas très loin d'ici, dans notre diocèse, puis prêtre à la cathédrale de Vienne, et il est alors nommé d'abord vicaire à Bourgoin-Jallieu, avant de partir à Grenoble, où il conduit la fondation d'Isère et Nibody. Appelé alors comme vicaire général de Monseigneur de Quérimel, il quitte les jeunes adultes pour servir plus largement nos communautés, ce qui le conduit, 7 ans plus tard, à devenir administrateur de notre diocèse pendant, comme l'a appelé le nonce apostolique, une gestation, l'enfant devant être Monseigneur Échène. Tout se passait donc plutôt bien, frères et sœurs, Monseigneur, jusqu'à ce qu'un coup de fil de l'annonciature annonce, selon nous, un déracinement, voire un arrachement, mais que vous qualifierez peut-être de retour aux sources. Ceci étant, tant que nous gardons la chartreuse... Celle-ci, d'ailleurs, se décline de plusieurs façons. Loïc, à son image, se déguste de diverses manières. Vous le verrez, comme sa devise l'exprime, attentif aux piliers d'Église, aussi bien qu'aux personnes plus en marge. Il aime l'innovation pastorale et la réflexion sur les méthodes missionnaires nouvelles. Il se sent à l'aise avec les jeunes, sans être empoté avec les plus anciens. Il aime soutenir notre institution ecclésiale, mais vous l'enfermerez difficilement dans un formalisme étroit. Loïc, en réalité, est un homme qui distille ses convictions dans des lieux d'apostolat variés. Il le fera toujours, rassurez-vous, avec une certaine dose d'imprévu, ce d'aucuns attribueront à son côté charismatique. Car il en faut du charisme pour faire une bonne chartreuse et de la patience aussi. Plus elle vieillit, meilleure elle est. Loïc a vieilli, lui aussi. Il s'est bonifié, il a pris de la rondeur dans tous les sens. C'est raisonnable. Fidèle à lui-même, notre frère Loïc s'est toujours laissé bousculer par l'Esprit Saint pour s'affermir dans une belle loyauté et fidélité à la parole donnée. Votre nouveau confrère, vous le verrez, est persévérant et disponible. Son rapport à l'horaire à ce propos poursuit, rassurez-vous, sa lente mais méritoire progression. Fort de cela,
Comme tout breuvage exigeant, Loïc ne laisse pas longtemps indifférent. Il y a toujours à son égard les inconditionnels et les conditionnels. Les moines chartreux, pour certains, font un élixir trop sucré, pas assez alcoolisé pour d'autres. C'est le douloureux sort des audacieux. Loïc est de ceux-là. Vous découvrirez son franc-parler et ses prises de position qui ne cherchent pas à satisfaire tous azimuts. Loïc est de nature libre et en réalité assez inimitable. Tous ceux qui ont cherché à imiter la chartreuse se sont heurtés à une impasse. Vous ferez difficilement de notre frère une photocopie, ce qui est d'ailleurs assez heureux. Car comme tout un chacun, Loïc est un original. Sa manière de servir l'Évangile émerge du secret de son amitié pour le Seigneur. Si la chartreuse est un spiritueux, dit-on, c'est d'abord à la prière des chartreux qu'elle le doit. Loïc s'inscrit dans ce sillage. Profondément ancré dans la prière qu'il découvre et approfondit notamment à Thésée, la chaleur et la force du feu de l'amour divin lui sont un ancrage essentiel. Ce qu'il cherche à transmettre, c'est avant tout l'amour de Jésus pour l'humanité blessée. Ce dont votre frère, Loïc, continuera de se réjouir et qu'il aura passion à servir, c'est le relèvement de celles et ceux que la grâce divine vient mystérieusement toucher. Monseigneur, chers amis, voici le frère que nous vous confions. Nous avons fait de notre mieux pour la distillation. À vous de prendre soin de l'affinage. Sachez à titre indicatif que les meilleures chartreuses, celles au vieillissement exceptionnellement prolongé, restent en fût de chêne autour de 15 ans. Mais nous ne sommes pas devins, nous témoignons simplement de la joie de voir notre frère répondre à l'appel du Christ qui envoie ses apôtres dans le monde, pour ceux qui sont déjà attachés à Dieu et pour ceux qui sont loin. Père, l'Église de Lyon vous présente Loïc, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge. Qu'on en fasse la lecture. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre cher fils Loïc Lagadec, du clergé du diocèse de Grenoble-Vienne, et jusqu'à ce jour vicaire général, nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Lyon, et choisi comme évêque titulaire de Carpentras, salut et bénédiction. En vivant en toutes choses selon la vérité et dans la charité, nous grandirons dans le Christ. Mais la foi reçue de ses voix unanimes dans le Christ et qui est gardée avec soin par l'Église, répandue en tout lieu et de toutes parts, nous voulons la prêcher et la transmettre en enseignant le langage de la croix, qui est folie pour tous ceux qui se perdent, mais puissance
de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés. En nous appuyant sur cette responsabilité d'où découle toute annonce de l'Évangile et tout envoi en mission, nous considérons les biens spirituels de l'illustre et très antique communauté chrétienne de Lyon, pour le gouvernement de laquelle son vénérable pasteur, notre frère Olivier de Germay, a sollicité il y a quelque temps une assistance. En conséquence, après avoir évalué les charges que tu as exercées, ainsi que ton expérience et ton habileté dans le traitement des affaires, tu nous sembles tout à fait préparé pour exercer les charges de l'épiscopat. Ainsi donc, après avoir recueilli l'avis de la congrégation pour les évêques, en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, nous te nommons évêque titulaire du siège de Carpentras, et en même temps, nous te constituons évêque auxiliaire de l'Église métropolitaine de Lyon, en te concédant tous les droits qui te sont dus et en t'imposant tous les devoirs afférents à cette charge. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale où tu le désires, en dehors de la ville de Rome, dans le respect des normes liturgiques de tout évêque catholique. Toutefois, auparavant, tu devras émettre la profession de foi et le serment de fidélité envers nous et nos successeurs, selon les normes du droit de l'Église. En t'exhortant, cher fils, à mettre tout ton empressement à accomplir ta mission en union de cœur avec l'archevêque de cette Église, nous prions Dieu qu'il concède aux fidèles de cette communauté diocésaine de Lyon, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste et de Saint Irénée, d'avancer dans la miséricorde et la science évangélique, de telle sorte qu'éclairés par ton soutien, ils suivent avec fidélité les pas du Christ. Donnez à Rome, au Palais du Latran, le 9 mars de l'an du Seigneur 2023, le 10e de notre pontificat, signé François. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
assis à la droite du Père. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Il me
conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Prépare la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. C'est tout de même une belle grâce d'être ordonné évêque le jour du dimanche du bon pasteur. Quand un prêtre est ordonné évêque, vous le savez, il devient pasteur du peuple de Dieu qui lui est confié, une charge qu'il partage avec les prêtres. Et du coup, peut-être on peut se demander, mais au fond, c'est quoi un pasteur? La liturgie de aujourd'hui, les lectures tournent nos yeux vers Jésus, Jésus qui est le bon pasteur. Alors évidemment, si on pense à l'évangile de la brebis perdue, on voit que le Jésus, qui est le bon berger, il va rassembler les brebis, il les met à l'abri, dans un enclos. Mais là, dans le passage que nous venons d'entendre, c'est un peu différent. On nous dit que le bon pasteur, il entre dans la bergerie, il se fait reconnaître. Les brebis connaissent sa voix, il les appelle. Et ensuite, il les pousse dehors, nous dit le texte. Oust, dehors. Il les fait sortir. Comme quoi le danger n'est pas forcément uniquement à l'extérieur, mais peut être aussi à l'intérieur. Et ensuite, le texte nous dit qu'ils marchent à leur tête. Et un peu plus loin dans l'évangile, Jésus dit que si les brebis passent par la porte qui est le Christ, alors elles peuvent entrer et sortir, signe d'une grande liberté. Alors elles ont la vie en plénitude et elles sont sauvées.
Alors ce berger, capable de sauver les brebis, c'est-à-dire l'humanité, évidemment il n'y en a pas 36, il y en a un seul, c'est le Christ, c'est lui le bon berger. Et on peut penser au discours de Pierre un peu après la Pentecôte, vous savez, où Pierre annonce « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Le seul sauveur, c'est Jésus, le seul berger, c'est Jésus. » Évidemment, en disant ça, Pierre n'oublie pas les paroles qu'il a entendues de la part de Jésus, Jésus qui lui a dit « Suis-moi », et Jésus qui lui a dit, après la résurrection, « Sois le berger de mes brebis ». Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, Jésus appelle des jeunes à tout quitter pour le suivre. Aujourd'hui encore, le bon pasteur qui est Jésus continue de guider son troupeau à travers des hommes qu'il a choisis pour être les pasteurs de son peuple. Alors évidemment, l'actualité récente nous a montré que certains bergers, ou plutôt faux bergers, sont entrés dans l'enclos sans passer par la porte. Ceux-là, dit Jésus, sont des voleurs et des bandits. Les brebis ne les écoutent pas, et elles ont raison. Mais alors, comment être pasteur aujourd'hui? Celui qui est appelé par Jésus pour paître les brebis doit garder toujours les yeux fixés sur Jésus, pour éviter au moins deux tentations. La première tentation, c'est de se prendre pour le bon pasteur. Et donc, il doit résister à la tentation de la toute-puissance, de l'autoritarisme, voire du caporalisme, la tentation de celui qui cherche son propre intérêt, sa propre satisfaction, sa propre gloire, et non le bien de celles et de ceux qui lui sont confiés. Pour cela, le pasteur doit se souvenir, ne jamais oublier qu'il est d'abord et avant tout une brebis, c'est-à-dire un disciple. Et donc, il doit lui-même écouter Jésus, le bon pasteur. Il doit être dans une attitude de conversion permanente. Il doit recevoir le pardon. Vous vous souvenez peut-être, au début de son pontificat, le pape François, il a été filmé en allant se confesser. J'ai vu des gens qui m'ont dit « Ah bon, mais le pape, il va se confesser ?» Ben, bien sûr, le pape, il va se confesser, les évêques, ils vont se confesser, les prêtres, ils vont se confesser. Ce n'est pas parce qu'on transmet le pardon qu'on n'a pas besoin de le recevoir. Le prêtre, le pasteur doit recevoir le pardon. Il doit aussi, bien sûr, être dans l'obéissance, ne jamais oublier qu'il n'est pas à son compte, mais qu'il reçoit la mission d'un autre. La deuxième tentation serait de renoncer à être pasteur. Ça peut sembler séduisant dans un monde qui a un peu du mal avec la question de l'autorité ou de la paternité. Mais le risque alors, c'est que ce n'est plus le Christ qui guide le troupeau, mais une idéologie. Le pasteur doit chercher humblement à imiter Jésus, le bon pasteur. Il doit exercer l'autorité qu'il a reçue, mais à la manière de Jésus. Et donc, en se faisant serviteur, en connaissant ses brebis, en ayant vraiment le souci des personnes, et en particulier des plus pauvres, des plus blessés. Et on pourrait dire finalement, en donnant sa vie pour elle. Peut-être que parmi nous, ou parmi ceux qui nous suivent par différents moyens techniques, peut-être y a-t-il des jeunes que le Seigneur appelle à devenir prêtres. Peut-être y ont-ils déjà pensé plusieurs fois, mais peut-être est-ce la première fois que cette idée traverse leur esprit. Comment savoir si cette idée vient du Christ? Comment s'engager dans cette voie qui semble tellement à contre-courant? Si cette idée te traverse l'esprit, pour t'aider à discerner,
je t'invite à te poser deux questions. Première question. Aujourd'hui, de très nombreuses personnes se rendent compte de la vanité d'une vie dont le seul but serait de se faire plaisir. Elles font l'expérience d'un grand vide intérieur. Elles cherchent un sens à leur vie. Elles cherchent Dieu sans savoir où le trouver. Cela te laisse-t-il insensible? Deuxième question. Quand le Christ appelle à le suivre en devenant prêtre, il touche un désir profondément inscrit en nous, celui de déployer les talents qui sont en nous pour les mettre au service des autres, celui de faire de notre vie un don. Cette parole résonne-t-elle en toi? Si tu réponds non à la première question et oui à la seconde, c'est-à-dire si tu n'es pas insensible à la soif de nos contemporains, et si tu sens en toi le désir d'un don radical, alors n'aie pas peur. Prends les moyens de discerner ta vocation. Si le Seigneur t'appelle, si tu dis oui, si tu es fidèle à cet appel, tu n'auras jamais à le regretter. Le Christ comblera les désirs de ton cœur. Frères et sœurs, en ce dimanche du Bon Pasteur, j'ai évoqué surtout la vocation du prêtre. Mais vous le savez, il y a bien d'autres vocations dans l'Église et on peut dire plus largement que toute vie chrétienne est vocation. Quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre situation dans l'Église, le Christ est notre Bon Pasteur. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait de lui: Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et saint Luc ajoute, les auditeurs furent touchés au cœur. Et vous? Ils ont ensuite demandé, mais alors que devons-nous faire? Pierre a répondu, convertissez-vous, tournez-vous vers Jésus pour recevoir de lui le pardon. Vous recevrez alors l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on attend? Frères et sœurs, d'un cœur unanime, avec foi, nous invoquons l'Esprit Saint. Veni Creator Spiritus. Oh.
C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains. Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu, et je m'engage à l'accomplir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche ? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église ? Oui. Je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ, qui est l'Église, et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques, sous l'autorité du successeur de Pierre ? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre ? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut. Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin ? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur ? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur ? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu.
Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour Loïc, qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il lui donne l'abondance de sa grâce. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, priez pour nous. Saints anges et archanges, priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, priez pour nous. Abraham, Élie et Joël, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Isaïe, priez pour nous. Saint patriarches et prophètes, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André, Saint Jean et Saint Luc, priez pour nous. Saints apôtres et évangélistes, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Sainte Agnès, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Corneille et Saint Cyprien, priez pour nous. Saint Botin, Saint Irénée et Sainte Blandine, priez pour nous. Vous tous, Saint Martyr, priez pour nous. Basile, Saint Athanase et Saint Ambroise, priez pour nous. Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme, priez pour nous. Saint François Xavier et Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Vous tous, Saint Docteur et Confesseur, Saint Martin, priez pour nous. Saint Jean 23 et Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint François de Sales et Saint Hugues, priez pour nous. Saint Cardinal Newman, priez pour nous. Vous tous, Saints évêques du Seigneur, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney et Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Saint Philippe Néri et Saint Jean Bosco, priez pour nous. Vous tous, saints ministres
Saint-Jean de la Croix, priez pour nous. Sainte Élisabeth de la Trinité et Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour nous. Saint François et Sainte Claire, écoute-nous.
et nous garder fidèles à te servir. De grâce et protège-nous. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoin de ta vérité et comme artisan de ton amour tous les consacrés. De grâce et qu'il te plaise de bénir celui que tu as appelé. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de le bénir et de le sanctifier. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répands sur lui ta bénédiction toute puissante par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Dieu et Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, plein Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regardes les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu as choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre. Il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rend fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu
avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre. Que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. L'action de grâce et avec le symbole de Nicée-Constantinople, nous professons notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Serviteur en tout lieu.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Olivier, moi-même, ton humble serviteur, ordonné aujourd'hui pasteur de cette Église à Lyon, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, particulièrement pour André Lagadec. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui.
Unis dans un même esprit et une même action de grâce, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous recevons du Sauveur. De tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et amen. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Salut Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
vit ta justice. Au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité. Ton salut. Le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Monseigneur Loïc Lagadec, accompagné de Monseigneur Patrick Le Gall, évêque auxiliaire, et de moi-même, va maintenant passer au milieu de vous pour vous transmettre la bénédiction du Seigneur. Vous appelle, en prie-nous pour
vivre que son Fils, bienheureux
La paix soit avec vous. Frères et sœurs, la paix du Christ en nos cœurs et entre nous n'est-elle pas un des plus beaux dons de Dieu ? Je désire être un apôtre de la bonne nouvelle, de la résurrection du Christ Jésus et de sa paix. La croix du Christ nous atteste son amour infini. Son surgissement à l'aube du huitième jour brise la mort et le mal. Et par là, Jésus ouvre un chemin de vie en abondance pour chaque être humain. Le ressuscité, il porte les marques de sa passion. Et lorsqu'il invite Thomas à toucher ses plaies pour vérifier, c'est comme s'il le faisait plonger dans son cadeau que lui, Jésus, assume et transfigure toutes les plaies de nos vies. De là jaillit la foi, de là jaillit la joie d'une rencontre. Nous l'avons chantée ensemble il y a quelques instants. Seigneur Jésus, ton amour m'a saisi. J'annoncerai ton nom à tous mes frères. Frères et sœurs, j'ai l'impression de n'avoir aucun mérite, d'avoir tout reçu, d'avoir juste collaboré et d'être un fils de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Aussi monte en moi une grande et un peu longue action de grâce. Soyez bénis, vous qui, en m'aimant et en recevant mon amour, êtes encore aujourd'hui mon école d'amour et de pardon. Mes parents, mes sœurs, mes beaux-frères, mes neveux et nièces, mes amis si chers à mon cœur, c'est grâce à vous que je puis croire en Dieu lorsque saint Jean nous dit « Dieu est amour ». Et c'est ce qui me bouleverse le plus dans l'Évangile, que Dieu nous aime chacun comme son unique. Et je crois profondément que le symétrique est vrai d'ailleurs et que l'Évangile nous apprend à donner un cap original à l'amour dans nos vies pour que, comme nous le chanterons tout à l'heure, nous puissions aimer et vivre comme le Christ. Soyez bénis, vous qui m'avez initié à l'intimité avec le Seigneur, maman, mes grands-parents, ma paroisse de Vienne et les autres paroisses, les frères de Thésée, à qui je dois tant dans ma maturation spirituelle et ecclésiale lors de mes années étudiantes. Soyez bénis, vous qui m'avez donné le goût de l'Eucharistie. Je pense tout particulièrement aujourd'hui à Bernard Gonnet, notre aumônier scout à Vienne, ainsi que dans tant d'autres prêtres amoureux de la fraction du pain qui ravive notre identité baptismale. Soyez bénis, vous qui m'avez appris à espérer, à persévérer, à traverser dans la confiance, soutenue par la miséricorde de Dieu, accroché à la croix, agrippé à la main du Père. Merci à mes accompagnateurs spirituels et mes coachs en tout genre. Merci à ceux d'entre vous qui m'ont appris à réfléchir en philosophie et en théologie, au séminaire et à l'université catholique. Merci à mon diocèse d'origine que j'ai servi avec passion ces 17 années. Merci surtout pour cette si belle expérience de la complémentarité des vocations et des états de vie dans la mission que j'ai expérimentée aussi bien à Bourgoin qu'à Grenoble, à Isère-et-Nouilly, à la paroisse Saint-Joseph confiée aux jeunes ou dans les services diocésains comme vicaire général. J'ai découvert ce que le pape François appelle une polyphonie des vocations. Je l'ai goûté et je souhaite en être le promoteur. Merci à Monseigneur de Kerimel et Monseigneur Echen pour la collaboration avec vous. Vous serez des figures inspirantes pour l'évêque que je deviens. Merci à toi, cher Olivier, pour ton accueil si fraternel, plein de bonté et de justesse. Je compte aussi sur toi pour m'initier à cette rude mais belle tâche de l'épiscopat. Dois-je vous dire merci, Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France. Je frissonne encore d'avoir été ainsi attrapé pour une telle mission. Le pape François, dans une rencontre avec des nouveaux évêques à Rome
en 2016, leur disait « Le Christ vous a péché avec l'hameçon de sa surprenante miséricorde. Ses filets se sont mystérieusement resserrés et vous n'avez pas pu éviter de vous laisser capturer. Je sais bien qu'un frisson vous parcourt encore au souvenir de son appel, arrivé à travers la voix de l'Église, son épouse. En tout cas, Monseigneur, je vous remercie de bien vouloir transmettre au Saint-Père, le pape François, l'expression de ma profonde communion et lui dire aussi qu'au-delà du frisson, il y a la grâce d'un appel, d'un oui à nouveau donné en profondeur et encore et toujours la joie de servir l'Évangile, peu importe comment, y compris en étant évêque. Merci à mes nouveaux frères pour l'accueil si fraternel dans le Collège des évêques. Et merci à vous pour votre présence à Lyon aujourd'hui, notamment à vous, Monseigneur, bienvenue, archevêque de Brazzaville. Un de nos formateurs au séminaire universitaire, le père André Guimet, nous disait « Notre modèle à nous, les prêtres, c'est Jean-Baptiste, car il désigne le Christ et il s'efface. » J'ai choisi pour le livret d'ordination et puis pour la carte qui vous sera remis à l'issue, une très belle peinture qu'on trouve au très beau musée de Grenoble. Elle exprime un paradoxe. Le baptiste prend toute la place, on ne voit quasiment que lui, et pourtant la lumière et le mouvement de la peinture amènent vers celui qui est désigné. J'aime aussi ce regard interpellant et aimant qui invite à la rencontre. Cela permet de faire confiance quand il désignera un autre que lui. J'y vois et un appel missionnaire et une vigilance. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Mais cela se décline, il me semble, à l'Église tout entière. Je crois que c'est notre vocation profonde, être ensemble, un peuple prophétique, c'est-à-dire qui vit tellement le mystère de l'Évangile que ce faisant, cela désigne le Christ lui-même. Ainsi, pas besoin d'abord de faire nombre, mais en premier lieu, de vivre l'Évangile si fort que cela devient un signe. D'ailleurs, mon cousin, Jérôme, qui vit à Tokyo et qui est en train de se découvrir chrétien, m'a dit il y a quelques jours, « Loïc, n'oublie pas les petits. » Je sais qu'il a raison et que c'est au cœur de l'Évangile, mais que c'est si facile de le négliger. J'entends aussi dans mon cœur depuis 2 mois une vigilance pour ceux qui sont loin, car nous l'avons entendu dans la bouche de Saint-Pierre, la promesse de Dieu est aussi pour eux. J'y entends d'une part un appel à persévérer avec confiance dans la mission, en désignant comme Jean-Baptiste l'agneau de Dieu. J'entends également l'enjeu de nous approcher du lointain et ce faisant, d'imiter le mouvement même de Dieu. Vous avez d'ailleurs noté peut-être que la 6e promesse que j'ai faite tout à l'heure est une promesse d'accueil au nom du Seigneur, de ses petits, des pauvres, des étrangers. On pourrait élargir la liste, les souffrants, les malades, les méprisés de la société ou de l'Église, ceux que les épreuves ont abîmés, les personnes qui souffrent à cause d'un membre de notre Église. Je suis disciple d'un Dieu crucifié qui n'est pas du côté des vainqueurs, mais des blessés de toutes sortes. Comment ne pas tâcher, comme pasteur, d'être à son image? Avant de conclure, je salue chaleureusement les autorités civiles et religieuses qui nous font l'amitié de leur présence, les frères et sœurs et les pasteurs des différentes églises, Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Monsieur le préfet de l'Isère, Madame la directrice de cabinet la préfète de région, Monsieur le gouverneur militaire de Lyon, Monsieur le général de corps d'armée, commandant la gendarmerie en Rhône-Alpes, Auvergne, Mesdames et Messieurs les élus de la région, des communes du Rhône et de l'Isère, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Université catholique et de la Fondation de Fourvière, ainsi que les différents partenaires et soutiens du diocèse de Lyon.
un très vif merci à la foule des personnes qui ont permis la préparation de cette très belle liturgie, les bénévoles de la cathédrale, la maîtrise et les différents services diocésains. À vous, chers frères et sœurs de l'Église de Lyon, merci de m'accueillir, désormais comme l'un des vôtres, comme un frère dans la foi, un ami dans le Seigneur, comme un père aussi. J'ai la joie de me voir confier comme mission, l'archevêque le dira peut-être, l'accompagnement des paroisses et des acteurs pastoraux. C'est avec enthousiasme que je viendrai vous rencontrer, apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer et ce faisant à vous servir. Auprès de Mgr de Germay, auprès de Mgr Le Gall, avec Mathieu Touvenot aussi, le vicaire général et les vicaires épiscopaux. L'évangile du jour et la prédication de Mgr de Germay donnent le ton de mon ministère épiscopal sous la figure du bon berger, pour prendre soin tout particulier de mes frères prêtres, des diacres et des lemmes. Je me réjouis également de rencontrer mes frères et sœurs consacrés, dont la vocation est si précieuse à la vitalité spirituelle et apostolique de l'Église. J'ai à peine commencé à découvrir ce beau et grand diocèse, cette Église ancienne et pleine de vitalité aujourd'hui. J'en apprécie déjà la variété des tonalités et cela me réjouit. Si je mesure les défis qui sont devant nous pour notre vie ecclésiale, je peux vous dire que je suis heureux de venir à Lyon les relever avec vous, chers amis, saint peuple de Dieu à Lyon. Amen.
Frères et sœurs, depuis le départ du Père Emmanuel Gobillard, qui était vicaire général modérateur, c'est le Père Mathieu Touvenot qui cumulait les deux fonctions, à la fois de vicaire général modérateur, c'est-à-dire accompagnant la curie, et de vicaire général des territoires, donc en charge des territoires. Alors, le Père Mathieu Touvenot garde la fonction de vicaire général modérateur et je nomme le Père Loïc Lagadec, vicaire général chargé des territoires. Je vous disais au début de cette célébration que c'est la journée de prière mondiale pour les vocations. Nous sommes invités à prier tous les jours pour les vocations, mais particulièrement en ce moment. L'organisation de cette célébration était parfaite. Il a juste manqué une chose, c'est qu'on aurait dû vous remettre à l'entrée une prière pour les vocations. Alors, vous l'avez ? Ah ben alors c'est parfait. Donc au moins certains l'ont. Et j'imagine qu'elle sera remise pour ceux qui ne l'ont pas. En tout cas, je vous invite à la prier chaque jour en demandant humblement au Seigneur qui donne à son Église les vocations dont nous avons besoin. Vous savez, dans l'Évangile, le Seigneur nous invite à demander avec confiance, avec la confiance d'un enfant. Alors c'est un enfant qui va venir maintenant et c'est par la voix d'un enfant que nous allons faire monter cette prière vers le Seigneur et je vous invite à vous y associer. Prière pour les vocations. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour la foi chrétienne présente dans le diocèse de Lyon depuis si longtemps et pour le témoignage de sainteté laissé par tant d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, la moisson est abondante. Dans la diversité de nos vocations, nous voulons proclamer le nom de Jésus et transmettre la foi à ceux qui ne le connaissent pas. Fais de nous des disciples missionnaires au service de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. Nous te rendons grâce pour les familles dans lesquelles la foi est vécue et transmise, pour les diacres, signe du Christ serviteur, et pour tous les baptisés qui s'efforcent de vivre leur vocation à la sainteté. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, tu appelles des jeunes à tout quitter pour devenir prêtres, religieux ou consacrés. Donne-leur la grâce de répondre avec générosité à ton appel. Répands en abondance l'Esprit Saint sur ton Église, Seigneur, et donne-lui les vocations dont elle a besoin. Nous t'en supplions par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint-Irénée, de la bienheureuse Pauline Jaricot et de tous les saints. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il vous a établi comme pasteur de son peuple. Qu'il vous donne d'être heureux ici-bas et d'obtenir en partage la joie éternelle. Dans sa bienveillance, il a voulu rassembler le clergé et le peuple. Il leur accorde d'être conduits longtemps et avec bonheur par sa grâce et par votre ministère. Amen.
désobéissent aux enseignements divins, qu'ils soient préservés du malheur et comblés de tout bien, qu'ils soient dociles dans la foi à votre ministère, qu'ils trouvent le calme et la paix en cette vie et méritent de partager avec vous la joie des citoyens du ciel. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Confiance, la force et la louange, vivre comme le Christ, toujours libre.
son amour.